Bienvenue à tous sur la chaîne, c'est BDG. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, faire un max de runes sur Elden Ring le plus rapidement possible. Comme vous pouvez voir, mon magnifique personnage BDG avec sa petite moustache rose. Donc je vais vous faire voir où aller, je vais vous expliquer où aller et comment faire pour que le glitch fonctionne. Moi à titre personnel, pour ceux qui veulent remonter rapidement, je vous conseille de le faire. Pour ceux qui veulent pas, je vous conseille de découvrir comme moi je l'ai fait. Donc vous avez ici la troisième église de Marika. Je vais vous faire voir le chemin pour y aller à partir d'ici. C'est-à-dire côte des eaux noires. Hop. Et à partir de là, vous allez voir une grande bâtisse. Et voilà, l'église, elle est ici. Vous avez quelques objets, vous avez quelques quêtes aux alentours. Je suis pas là pour vous faire voir ça. Il y a des objets si vous les récupérez. Le principal, c'est pas ça. C'est là, vous avez le site de grâce. Donc, vous validez votre site de grâce. Ce qui est très important, parce que dans la zone où on va y aller, c'est très difficile. Si vous prenez un coup, vous mourrez, sachant que vous êtes au début du jeu. Vous allez ici, où il y a une sorte de petite forêt. Et vous allez voir ça, là. Prenez ça. Et à partir de là, il faut tracer. Essayez d'affronter aucun ennemi. Il faut affronter aucun ennemi. Parce que si vous affrontez un ennemi dans cette zone-ci, il va vous tuer en one-shot. Ça ne blague pas ici. Cette zone-là, c'est très difficile. C'est uniquement si vous avez niveau. Niveau, vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Ça fait qu'on se retrouve là, à l'opposé de la map. Donc on galope, on galope, on galope. Faites attention aux petits, là. Vous dites, ouais, les petits tôles, là, ils vont rien faire. Et ils vont vous casser la tronche. Et ils vont vous casser la tronche. Donc faut tous les esquiver. Faut pas les provoquer. Faut vous barrer. Ils vous mettent un coup, ils vous tuent. Au stade où vous en êtes. Mais en tout cas, après, si vous avez un bon niveau... Même comme ça, prenez-vous pas la tête. Il y a un dragon au fond. Et là, on valide le point. Moi, je l'avais déjà validé. Je l'ai fait exprès pour le tuto. Et là, vous validez le point. Parce que si vous mourrez par la suite, vous êtes dans la merde. Vous reprenez Torrent, votre cheval, votre monture. Et à partir de là, soit vous sautez d'ici. Et vous allez atterrir sur un arbre. Et à partir d'ici, soit vous sautez d'ici. Et là, juste là, il y a un arbre. Que vous sautez sur la branche, ça vous permet de vous récupérer. Vous pouvez, vous faites ça. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Hop. Ça fait pas longtemps que je joue au jeu. Et là, vous allez être empoisonné. Mais c'est pas grave. Là, le poison, il est mineur. Parce que le site de grâce est juste à côté. Vous allez arriver ici, dans cette zone. Avec la grande porte. Une fois devant la grande porte, là, vous allez trouver un autre site de grâce. Vous le validez. Ce qui est très important, validez-le. C'est jamais si vous prenez le piège. Et là, juste en bas, en fait, juste en bas, vous allez avoir un piège. En fait, un piège qui va s'activer, une sorte de boule à la Hidden Agents. Donc là, vous arrivez comme ça, vous descendez tout doucement. Vous allez voir la boule à l'apparaître. Vous sautez deux fois, hop, ça permet d'esquiver. Là, on va se casser à terre. Regarde en bas à droite, plus 1952. J'étais à 10 000, maintenant je suis à 12 529. Vous pouvez repasser comme ça pour aller au site de grâce. Ça vous permet de gagner des lucioles de pierre des clocs qui vont servir par la suite. Bon, la fabrication d'objets. Vous descendez, vous revalidez le site de grâce. Je vous le fais en live, comme ça vous voyez bien que c'est réel. C'est pas les tutos obtenir 10 000 V-Bucks dans Fortnite. C'est pas une connerie comme ça. À la fin, vous envoyez 4 SMS et vous faites facturer 8 euros sur votre forfait mobile. Non, non, là c'est réel. Hop, vous descendez comme ça. Vous refaites ça. Hop, hop, vous sautez comme ça. La boule, elle va se casser. Et hop, plus 1952 encore.
Et là, vous pourrez récupérer des objets. Si des fois vous récupérez pas les runes, parce que des fois il s'avère que la boule elle tombe à terre, mais bizarrement elle se casse pas ou il y a un souci, ce qui peut arriver. Évitez de faire comme moi, la passer entre l'arbre et la montagne, c'est une mauvaise idée. Et là, vous revalidez ces deux grâces et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Franchement, vous pouvez gagner, ça prend quoi? Même pas 25 secondes à faire, en une minute déjà vous validez 6000. 5000 et quelques, quasiment 6000 en une heure. Je sais pas, moi, vous faites vos calculs de mathématicien. Hop, la boule elle tombe, elle se casse. Vous récupérez 1952 runes. Vous y allez. Hop, vous repassez par là si vous voulez récupérer des éclats. Vous pouvez les revendre, fabriquer des objets avant. Hop, comme ça. Vous redescendez et voilà, si de grâce, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça jusqu'à vous. Vous pouvez faire 100 000, 200 000, 500 000. Pour monter les niveaux, moi, cheat personnellement, ça se dit pas, mais à cheat personnel, je l'ai pas trop fait parce que c'est pas trop mon délire d'arriver cheater devant les boss. J'ai vraiment envie de découvrir le jeu par moi-même. Mais pour ceux par feignantise, pour moi, manque de temps ou parce que le jeu pourrait être trop difficile, ils peuvent faire ça. Hein. Ça va vraiment booster. Hein. C'est du farm, sauf que c'est un glitch. Vous pouvez faire du farm normal en faisant des donjons, vous allez gagner des runes, ça prend un peu plus de temps, mais voilà. En tout cas, vous avez l'astuce. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était BDG et je vous dis à tous à très bientôt. Et n'oubliez pas, la vie est belle, mais ça dépend pour qui.